N'est pas tourné vers le passé, c'est pas un acte de repentance, c'est un acte de prise de conscience de ce qu'a été notre histoire, mais de ce que nous voulons être aujourd'hui, c'est-à-dire des acteurs des droits de l'homme, des acteurs d'une humanité plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. Donc c'est, ce mémorial, c'est un appel à la méditation, à la lucidité, mais c'est surtout un appel à l'indignation, mais surtout un appel à l'action. Donc pour faire en, que le monde d'aujourd'hui soit plus juste. La connaissance de l'histoire apporte de l'apaisement à tout le monde. C'est fantastique qu'il y ait des lieux comme cela pour qu'on puisse, encore une fois, dépasser peut-être des passions qui n'ont pas lieu d'être. L'esclavage n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes, mais c'est avant tout un système économique. Et donc nous devons aussi être assez intelligents pour questionner notre société aujourd'hui, pour améliorer les choses. Le message dominant, c'est oui, cette histoire, elle a existé. Nantes a été très fortement impliquée, mais cette histoire, voilà, elle ne nous écrase pas. Nous la portons, nous la connaissons, nous l'interrogeons. Et c'est elle qui nous donne de l'empathie pour le monde aujourd'hui et qui nous mobilise pour les situations d'injustice et d'oppression dans le monde. J'admire depuis longtemps ce que fait Nantes, dans ce que j'appelle son face-à-face fécond avec la mémoire. Et plus Nantes avance, plus Nantes est légère, je trouve. Et nous inviter à ne jamais cesser le combat pour le progrès de l'humanité. Alors je lance ici, de Nantes, aujourd'hui, un appel solennel à tous les citoyens français à lutter sans faiblesse contre toute forme de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, contre toute forme de discrimination dans notre société, contre toute forme d'esclavage et d'exploitation de l'être humain dans le monde. C'est l'engagement que je vous propose de prendre tous ensemble aujourd'hui, en ce 25 mars 2012, à Nantes. Merci.